Donc voilà, bienvenue dans 100% sœur. Je vous dis juste, il n'y a pas ma sœur parce qu'elle est en vacances chez ma mamie. La semaine prochaine, ce sera moi qui sera en vacances chez ma mamie. Donc voilà, elle pourra pas filmer malheureusement la semaine prochaine parce que c'est mon portable et du coup on filme avec mon portable. Donc voilà, nous avons un. Enfin, j'ai un grand truc spécial parce que j'ai acheté un hamster. Désolée si je prononce pas bien. J'ai payé la mission avec mes sous et mes parents ont acheté la cage. Donc voilà, je vais vous le présenter tout de suite. Attendez, la qualité n'est pas très bien. Voilà. Donc voilà, là, la cage se présente comme ceci. Il y a un truc pour passer. Donc je lui ai mis des trucs. Un truc pour passer, s'il était déjà dedans. On a quoi d'autre? L'eau à boire. Nous avons acheté aussi. Comment ça s'appelle? Ça c'est un truc pour faire les nids, mais elle, du coup comme elle a pas de cabane elle utilisera ça. Une roue, ça s'ouvre par là. Là il y a son manger. Attendez. Donc là il y a son manger, donc plusieurs trucs à choisir. Une petite roue qui est d'ailleurs très belle. Un truc qui est exprès là pour qu'elle regarde. Ça c'est pour fermer la fenêtre. Donc voilà, attendez, je vais essayer de bien filmer. Désolée si je filme mal. Donc bon, voilà, elle est très jolie. Attendez, je vais essayer de vous filmer hors truc. Et on se réveille. J'ai peur. Je sais pas si vous la voyez là, attendez. Attendez, je vais poser la caméra. On l'a vu bouger. Oh! Coucou, alors. Tu sors? Allez, à la petite mère. Donc, je vais la voir, ça fait quelques minutes. Je vais essayer de la prendre sans qu'elle me mord. Bon, ça va, c'est une bonne nouvelle, elle ne me mord pas. Ouh, j'ai peur. Parce que quand un hamster mord, ça fait très très mal. Elle ne mord pas, elle est très très jeune. Donc voilà. Attendez, hop là. Oh, bah oui, t'es très mignonne, toi. On va te reposer. Donc voilà. Je voulais vous demander, je n'ai pas encore choisi de nom. Donc ça veut dire que vous, mes abonnés, bon, même si on n'est pas très nombreux, on est 14 ou 15. Bon, on l'a déjà dans sa bouffe. Eh ben, je vous demande un maximum de likes et je vais vous demander de choisir le prénom de cet hamster. Donc c'est une femelle. Bulldog, je sais plus c'est quoi comme race, hamster russe. Donc voilà, je vais vous demander de choisir son prénom. Et peut-être que ma soeur en aura un. Donc voilà, elle va peut-être en avoir un la semaine prochaine, je sais pas. Donc voilà. Et on fera certaines vidéos avec elle. Donc je vous demande de choisir son prénom, hein, parce que c'est important de choisir le prénom de notre hamster. Donc moi je voulais l'appeler Joseline, mais vous me dites si vous voulez l'appeler comme ça, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, c'est le prénom qui aura plus de votes, eh ben gagnera et puis elle s'appellera comme ça. Donc vous pouvez l'appeler n'importe comment, mais par exemple pas genre des caramels, un nom de bouffe quoi. Pas non, genre de bouffe, genre viande ou je sais pas quoi. Un prénom qui est assez sympa, genre. Je sais pas. Donc voilà. Après, je vais peut-être engager un date avec Nuts. Si vous connaissez Swan et Neo, je vais peut-être engager un date avec. Peut-être qu'ils vont tomber amoureux. Non, je rigole. Donc voilà, elle est très 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 belle. En plus, elle ne mord pas. Donc ça, c'est génial. Parce que moi, tous mes hamsters, c'était mordaient tous. Donc regardez, elle essaie de creuser pour aller en dessous de son truc. Donc ce qui est déjà une bonne chose. Donc comme on est en hiver, on lui a acheté ça pour pas qu'elle tombe froid. Donc voilà. Franchement, c'est super bien. On en a eu pour... je sais pas. Je m'en rappelle plus. Donc voilà, sa petite cage. Enfin, sa petite... Elle est grande quand même. Donc voilà. Donc moi je veux l'appeler Joseline, mais dites-moi si vous voulez l'appeler comme ça ou...
un autre prénom, c'est comme vous choisissez. Donc voilà, là cette fois-ci j'ai pas choisi des coupeaux de bois parce qu'à chaque fois ça mettait plein de poussière et mon hamster avait du mal à respirer. Là je l'ai pris, je sais plus comment, attendez, je vais voir comment ça s'appelle, je vous laisse avec l'hamster, j'arrive des minutes. La litière végétale de Chande, ou je sais pas quoi, regardez. Alors je lui donne de l'eau en bouteille parce que sinon, là quoi. Là vous avez la mousse, là vous avez la bouffe. En tout gros c'est la litière et là c'est la bouteille d'eau exprès pour elle. Donc voilà. Franchement je suis hyper contente parce que ça... Voilà quoi, enfin franchement j'adore. Donc ça a une durée de vie de 2 à 3 ans. Donc voilà, choisissez le prénom et puis en vidéo, je refais une nouvelle vidéo où elle aura son propre prénom. Donc franchement, n'hésitez pas à mettre un prénom parce que d'habitude, quand je demande de mettre des commentaires, il n'y a personne qui en met. Donc là, franchement, c'est important. Donc s'il n'y a personne qui met de commentaires, j'appellerai Joseline. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, machin, machin, machin. Allez, je vous laisse. Bye!